Et yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la suite, enfin, de notre aventure sur Pokémon Noir en full random. J'espère que vous allez bien. Alors, ça fait très longtemps, hein. Ça fait plusieurs mois, 5, 6, ouais, 6 mois, 7 mois, qu'on n'a pas repris le jeu. Alors, j'avais dit que j'allais m'entraîner pour faire la ligue, sauf que, bon, j'ai eu des occupations, donc je pouvais pas, en fait, hein, m'entraîner tout le temps, au final. Il y avait d'autres jeux aussi, hein, d'autres let's play. Alors j'avais plus privilégié Dragon Quest au final que Pokémon. Et c'est vrai que c'était assez loin à monter de niveau, c'était pas évident. Et puis oui, avec le travail tout ça, j'avais pas le temps. Mais je vous avais dit que j'allais finir enfin le jeu. Et là, on va se rapprocher de la fin. Alors pas tout de suite, hein, puisque il y a deux ligues, si je me trompe pas. Donc on va pas finir le jeu tout de suite. Mais bon, au moins peut-être bien avancé, puisque là, on va quand même entamer la ligue et ensuite on verra bien comment ça va se dérouler, mais il doit rester, sachant qu'il y a encore le post game. Je sais pas si je le ferai entièrement, mais je ferai quand même quelques petites vidéos dessus, je pense, ne serait-ce que pour faire la deuxième ligue. Donc voilà, on va dire 10 12 vidéos maximum peut-être. Après il y aura des trucs que je ferai pas mal de coupures, je pense. Et et je pense que je considérerai, entre guillemets, le let's play fini. J'entamerai un nouveau jeu, en fait. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous savez de quoi je parle. J'entamerai un nouveau jeu. Mais le post-game sortira un peu à la manière de Dragon Quest IX. Ça sera des vidéos qui sortiront de temps en temps. Mais je le ferai. Ça, c'est sûr. Je vais pas m'arrêter là, quand même. Je le ferai. Ne serait-ce que pour faire la deuxième ligue. Mais ça sortira en bonus, entre guillemets. Histoire d'entamer un nouveau jeu. Alors, du coup, on va y aller tout de suite. Hein, écoutez, j'ai entraîné un peu mon équipe. Qui, du coup, bon. Voilà, hein, on est sur du niveau 47, 50, 51, 50, 46, 48. Bon, c'est pas aussi élevé que ce que je pensais faire à la base. C'est vrai que j'aurais bien aimé que tout soit à peu près, on va dire 52, 53, tout dans le genre. Là, c'est vrai que bon, Frony le plus faible, hein, niveau 56. Je crois que les Pokémon du conseil 4 sont dans les niveaux 50, je pense. Ou ça doit pas les dépasser les 50, donc bon, on verra bien, de toute façon on forcera. Je vais juste regarder au niveau de mon inventaire, est-ce que j'ai des objets à cet objet. Ne serait-ce que les guérisons, j'en ai pas beaucoup. Ouais, c'est vrai que j'ai tous les PP plus à utiliser, mais bon, est-ce que je le fais maintenant. On va attendre quand même un petit peu plus tard. Peut-être pour la deuxième ligue, j'utiliserai. Mais ouais, je vais aller prendre des guérisons, peut-être. Je pense que ça peut être utile. Peut-être même des rappels. C'est toi qui... Ouais, guérison. Je vais t'en prendre plein. Parce que, voilà, hein, on est dans un random et des fois... disons que c'est un petit peu compliqué. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Bon, un peu moins alors. De toute façon, on s'en fout. On s'en fout de la thune. On raquette des gens. Alors, on va retrouver facilement. Des rappels, j'en prends. Allez. 14. J'en ai un, ça fait 15. Ça me paraît bien. Ah ouais, des total soins, ça peut être utile. Allez, hop. C'est good. Et donc, c'est parti. Tout de suite. Ouais, je dois gagner ou perdre. Ben ouais, c'est bon, c'est parti. Alors, la ligue, quand c'est 4, au sud-ouest vit celle dont la connaissance du type spectre est sans égale. Sud-est de petit combat, nord-ouest ténèbres et nord-est psy. Ouais, bon, on sait que c'est du random, donc du coup ça sera pas ça, mais bon. Bon, allez, on va aller à gauche.
Alors le type spectre, je me demande qu'est-ce que ça va être comme Pokémon random du coup. Oula. Ah ouais d'accord, c'est pas moi qui dirige, hein, c'est le truc. Ok. Salut. Les prunelles de l'homme brûlées d'un feu sombre. Pour faire triompher la justice, il allait devoir tout laisser derrière lui. Ça t'a plu? C'est le roman que j'écris. J'ai basé mon personnage sur le dernier adversaire qui est venu me défier. Mais la tournure a été assez tragique. Je m'excuse, tu viens me défier, c'est bien ça? À ton tour désormais d'affronter Anis, la reine du Deep Spectre. Ah bon, mais... Bah il est où le précédent challenger? Il est mort? Merde. Bon, la musique est sympa. Elle a 4 Pokémon. Scalpion. C'est pas très spectre, hein, tout ça. Bon. Flamme bleue, du coup. On va y aller comme ça. Venipat. Ouais, on va prendre quand même Croco. Histoire de... Bah, histoire de... Du coup, ouais, je pars avec cette équipe-là. Bon, j'ai pas pris les légendaires, tout ça, qu'il y avait dans ma boîte PC. Qu'on avait trouvé dans l'aventure, mais... On a déjà Celebi et Raikou, donc bon. Alors là, ça va pour l'instant, on a de la chance. On a des avantages de type. Donc on peut les one-shot. Donc ça, c'est bien. Faut pas qu'on tombe sur des trucs trop dangereux. Hein. Ah, gros drive, déjà, c'est quoi ça? C'est Vol Spectre, je crois. Attendez. Vol Spectre? Il me semble que c'est Vol Spectre. Ouais. Non. Ouais. On va mettre du rêve. Alors ça doit être le dernier. Ah purée. Ah paratonnerre. Vent glacé, tiens. Bon, on n'est pas de type glace, donc du coup, ça doit pas... Hop. Ça va, encore. Oui, bon, j'ai compris. Oui. Bon, ton... Hein. Ça, c'est un peu chiant, les députes. Oh là là. Ça va être un peu galère. Ah non, mais... Allez, touche, s'il te plaît. J'arriverai pas à le toucher. T'as quoi, toi, en capacité? Allez, on va prendre Good Larve. Ah, mais non, mais... Je suis con. Ouais, la tranche herbe. Non, ça va, on tank. Au moins, ça touche. Ça fait pas grand-chose. On paraît qu'il va lancer... Ouais, voilà, je m'en doutais. Bon, utilise Surf. Ah, t'es chiant. Je vais me faire tuer mon Pokémon. Hop. On a compris. Allez, surf. Lilliput, c'est chiant comme attaque. Ah, c'est chiant parce que c'est son paratonnerre qui casse les couilles quand même.
Bon, ça passe ou ça passe pas? Ah bah oui, évidemment. Bon bah Bomberk. Ok, ça fait que dalle. Purée, ça fait mal. Je vais me faire défoncer mon équipe. C'est horrible. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Parce que les attaques et les esquives. Bon, utilise vol. Au moins, ça fait mal. Je croise les doigts. Alors, elle a deux guérisons. Oui, on a compris, miroir tir, c'est bien. Vol. J'aurais dû faire limite une danse slam. Ah purée! Non, ça fait trop mal. Ah putain, son Lilliput là, il casse ses couilles. Je suis vulgaire, désolé. Bon, de toute façon, cette vidéo sera vue par des personnes ayant plus de 13 ans. Bon, désolé, j'accélère un peu parce que là, de base, je voulais pas trop accélérer contre un conseil 4, mais... Ça fait... C'est un peu chiant. Au pire, on rappellera, écoutez... Allez, Crofeu. Crofeu. Arrête d'éviter l'attaque. Oh purée! En fait, un Pokémon en random. Un Pokémon en random qui déjà, c'est pas évident de trouver sa faiblesse. Qui ensuite augmente ton esquive à mort. Oh là là! Alors, je suis confus, chagriné, ennuyé, navré, affligé. D'abord, présentons nos excuses à nos équipes. Nous les avons fait souffrir. Dans ton cœur, cher Pokémon. Non, de tout cœur, pardon. Cher Pokémon. J'espère que vous nous pardonnerez. Tu n'as rien fait de mal non plus. Tu es un dresseur et ce qui s'est passé est normal dans un combat. Surtout contre un membre du conseil 4. Ouais, alors du coup, moi, attends 30 secondes parce que je dois me soigner. Des huiles, ça serait bien ça. C'est bien ça, c'est cool. Sur... Explos nuit. Sur Crofeu. Et on va... Alors déjà, attendez, parce que je vais juste un peu le ranger, parce que là, il est pas... C'est pas terrible, là, tout ça. Qu'est-ce que je cherchais, moi? Mes potions, oui. Bon, on rappelle, plutôt. Tout à faire. Voilà. Super potion. Sur Je rêve. Et on va mettre une... Bon bah allez, des potions. Des potions sur... Voilà. Ça va être un petit peu tendu. Ah oui, bah là. Bon allez, let's go pour le prochain. Je me demande ce qu'ils vont avoir. Ah, oh, j'espère que c'est pas trop galère. Mettez pas de légendaire, mettez pas des Pokémon trop forts, s'il vous plaît. Moi j'en ai, mais j'ai le droit. Salut. Diantre, quel jour sommes-nous? Les dresseurs défilent comme des top modèles sur un podium. Qu'importe, je suis Pierris du Conseil 4. Et par conséquent, ton adversaire en garde. Ouais.
Alors, s'il te plaît, sois gentil avec moi. J'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal, hein, Chetiflore. Si je peux éviter d'utiliser Flamme Bleue, ça serait bien. Vibre Obscur, ça fait des dégâts, vous pensez, sur Chetiflore? Évidemment, nous sommes empoisonnés. Aéromite, allez, on change. Bah, Crofeu. Voilà. Poursuite. Non. Oui. Poussifeu, on va gérer, hein. Ça devrait pas trop poser de problème. Ah, le pauvre. Il va se prendre un surf dans la face. Ok. Alors, gros drive paratonnerre. Lui qui a peau sèche. Oui. Mais arrête d'éviter l'attaque, s'il te plaît. Ok, non mais... Ok. On va envoyer Frony. En final, c'est plus les talents qui me posent problème. D'où tu as ça? Vol. Allez hop. Frappe-ci. Non mais n'importe quoi. Meurs pas. Ah, c'est bien. On devrait pouvoir le tuer. Alors le poussifeu frappe psy avec peau sèche, bon, voilà quoi. L'ombre, ouais, on va mettre du rêve. C'est de type eau ça, aux plantes. Allez, éclair fou. Mais. Sans déconner. J'ai l'impression que c'est limite fait exprès pour m'embêter. Pourtant, c'est un random, vraiment random, quoi. C'est pas quelqu'un qui a fait un random qui a mis vraiment des trucs, là. C'est vraiment un random, quoi. Aléatoire. Mais bizarrement, bon, on peut sèche. Là, maintenant, ça. C'est... c'est bizarre, hein, quand même. Bon. Au moins, on a quand même réussi. Que l'on ait donné son maximum, que le destin ait été favorable ou pas. Une défaite reste une défaite. C'est bien pour cela que les lauriers de la victoire sont éclatants. Et en ce moment même, tu rayonnes de mille feux. Ok. En ce moment même, je vais surtout me soigner, en fait. Voilà. C'est limite, en fait, j'aurais peut-être même pas assez de guérison. Oui, bah non, j'ai utilisé une guérison, donc ça a soigné la paralysie. Bon.
pas long ici du coup. Et ouais, bon, on va faire déjà les conseils 4 et ensuite on verra bien ce qu'il y aura après. On s'arrêtera là. Parce que là, je pense qu'en 48 minutes, j'aurais fait les deux. Enfin, les 4. Du coup, là, en 20 minutes, je vais faire les deux. Donc là, ça doit être de type combat, mais bon. On sait que c'est pas vraiment de type combat. Alors, dresseur, je m'appelle Kunz. Je perfectionne l'art du combat sous les ordres de notre maître Goya, qui a reconnu en toi un dresseur digne d'éloge. J'aimerais bien tester moi-même ce que tu vaux. Go. Bon. Alors, lui, j'ai pas switché sur Fruni tout de suite, donc j'ai essayé de le gérer. Allez, fais marteau bois. Ça fait un peu bobo. Juste un peu. Allez, tue-le avec ça, s'il te plaît. Bah oui, non, évidemment. Bon, on refait marteau bois, on devrait pas mourir. Il est sérieux? Bah, à la limite, vaut mieux qu'il utilise sa guérison maintenant. On refait marteau bois. On soignera Miracle plus tard, hein, c'est pas un souci. Ah bah, de toute façon, il s'est un petit peu soigné en montant de niveau. Vivaldin, ah oui, Vivaldin, c'est quoi ça? Je crois que c'est plante, mais je suis pas sûr. Je connais pas bien les Pokémon de la génération 5. Gros feu. Ouais. Voilà. Dracolos. Bon, on va envoyer Godlarve. On va envoyer Godlarve. Et on le temps. Ça devrait faire mal, je pense. La Space Rift. C'est n'importe quoi. Il a Space Rift. T'es sérieux? D'accord. D'accord. Non mais oui, d'accord. Ok. Non mais ok, je comprends. On va faire vent glacé. Voilà, au moins on l'a tué. Ah, Megavolt, oui. C'est quoi, électrique insecte, ça? Allez, on va envoyer ça. Crofeu. Combien sont deux? Ok. Ah non. Hop. On va refaire du coup Crofeu. Ça fait quoi ça? Ok, je prends le type combat. Pourquoi pas? Tu peux arrêter de survivre à un PV? Arrête! Voilà. Tu m'as soufflé, pars à la conquête de nouveaux sommets, affronte les autres membres du conseil. Oui, mais d'abord, je vais me soigner quand même.
On va en faire appel du coup sur le petit Godlarve. Pauvre Godlarve. Il n'a rien demandé, il s'en est pris plein la figure. Est-ce que j'utiliserai pas des petites potions par exemple pour histoire de vraiment économiser mes guérisons. Et une guérison pour miracle quand même. Voilà. Allez. Ah bah non. Oui, là. J'avais pas vu. Et nous en reste plus qu'un. Allez. Oh. C'est joli. Qui vient ? Quel est l'imprudent dresseur qui ose troubler mon virginal sommeil ? Peuh ! Tu sembles avoir du talent et allier force et bonté. Alors, de grâce, fais en sorte que notre duel ne soit pas trop ennuyeux. J'ai assez de mal à retenir mes bâillements. Ok. Persila. Alors, Noissier, on va balancer du flamme bleue, hein. Voilà. Tentacruel. Bon, là, Frony, je devrais pas avoir trop de problèmes. S'il n'a pas paratonnerre, hein, parce que la paratonnerre, c'est un peu chiant. Du coup. Éclair fou. Voilà. C'est très bien, Frony. Bon, on a pris un peu de dégâts, c'est normal. Dracolos encore. Dracolos avec Spatio Rift, j'imagine. Faut pas changer. Faire Draco queue. Mitra point. Bon. Hop, hop, comme ça, ça envoie l'autre Pokémon. Ah, Magneton. Oui. Non, oui, non. Non. Surf. On l'a one shot. Heureusement. Si ce truc avait une attaque électrique. Bon, on va refaire du coup. On refait Draco queue. Elle a fait Mitra point. Ça fait mal. Le truc c'est qu'il attaque en premier. Ah, c'est bien, la vive griffe. Et dans le temps. Si on peut le tuer avec ça, ce serait bien. Comme ça, elle va pas utiliser de guérison ni rien. Yeah. Bah voilà. Bah nickel. On a plutôt bien géré. Ma parole, il semblerait que tu aies vaincu tout le conseil. Va donc voir la statue de la place pour rejoindre la chambre du maître. Ok. Oui. Ben c'est où? Ah là. Par contre, il faut quand même que je me soigne. J'ai fait le foufou. Attendez, hop, guérison. Voilà. Et on va utiliser petite potion.
Voilà. Allez, on y va. En avant pour le mettre. Il y a des choses ici? Ouais, ça doit pas être de l'autre côté. Ah! Tout est fini. Fini les souffrances inutiles. Fini l'esclavage des Pokémon. Grâce à mon compagnon Zekrom. Tout maître que tu étais, malgré ce titre, tu n'as pas pu m'arrêter. Ta bonté fut ta faiblesse. Après que la maladie a emporté ton compagnon Pokémon, tu as décidé de parcourir Unis pour tenter d'oublier et panser la plaie de ton cœur. Tu n'as pas eu à livrer de combat sérieux depuis trop bien longtemps. Mais je ne te blâme pas pour cela, au contraire. Je surpasse même le maître de la ligue, je suis le dresseur suprême d'Unis. Et en tant que tel, j'édicte une loi nouvelle. Tous les dresseurs doivent rendre leur liberté aux Pokémon. Pitié, je ne te demande qu'une seule chose, ne sépare pas les humains et les Pokémon. Nous avons déjà éprouvé la force de nos convictions lors d'un duel acharné. Tu n'as plus rien à me dire. Je t'attendais. Dans le futur que j'ai vu, tu trouvais bien la pierre en ta possession. Oui, ce galet blanc. Il réagit à la présence de Zekrom. Mais cela ne sera pas. Ce lieu est indigne des dragons de la légende. Jaillis de ta cache, ô mon palais. Ceint la ligue de ta majestueuse étreinte. Oula, je sais pas quel côté mettre là les écrans. C'est un peu. Ah ouais! Ah ouais, d'accord. Il y a un palais sous la ligue. Genre, il y a personne de la ligue qui s'est dit, tiens, il y a peut-être un. Il y a un palais en dessous de la ligue, non? Je sais pas, c'est pas venu à l'idée que. Ah, ça se remarque quand même. Un château comme ça, un palais, ça doit se remarquer au niveau de la ligue, non? Je sais pas. Voici enfin mon palais. Surgit des entrailles de la terre. De sa vertigineuse hauteur, les mots du nouveau roi résonneront. Jusqu'au mas. Je t'attendrai là-bas. C'est dans ce cadre que tout se jouera. Les Pokémon doivent-ils être libérés des humains? Où nos deux espèces doivent-elles cohabiter? Celui dont la puissance de conviction est la plus forte décidera du sort de ce monde. Ok. Goya est. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Goya est bien mal en point. Mais quand enfin, je dis Goya, comme s'il était content de le voir, alors que le mec il a à moitié en PLS par terre, limite. Pas très digne d'un maître, je vous le dis. Tu as réussi à. J'ai pu vaincre tout le conseil, même si ce fut pas une partie de plaisir. Tu mérites des. Félicitations. C'est parce que j'ai réalisé tout ce que je pouvais faire que je suis devenu plus fort. Felito, il faut que tu le dises à N, que des hommes peuvent devenir plus forts précisément parce que les Pokémon sont à leur côté, et que les Pokémon ont appris en vivant avec moi, et sont plus forts aussi. Perdu, j'ai. Perdu. Je voulais fermer le bec à ce roquet bruyant qui parle de rêves insensés en lui montrant la puissance du lien qui nous unit aux Pokémon. Ses convictions seraient réelles. Fais attention, Filito, ce garçon est un idéaliste fanatique. Alors, je t'en prie, je t'en conjure. Dis-lui que rien de bien ne naîtra si les liens entre humains et Pokémon sont coupés. Ouais. Ouais, alors je vais même pas revenir. Bah écoutez, on s'arrête là. On va s'arrêter là pour cet épisode. On aura fait le conseil 4 au moins. Et du coup, la prochaine fois, on ira peut-être frapper N. On verra bien si c'est long ou pas le palais. Dites-moi dans les commentaires si c'est long. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Le palais plus N. Pff, ouais, on verra bien si j'arriverai à tout faire en une vidéo.
Sinon, je pense que je ferais que le palais. Enfin, vraiment, visiter le palais, tout ça, machin. Et faire le combat contre N dans une autre vidéo. On verra bien. Bref, on s'arrête là. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, bon, on se retrouve la prochaine fois très vite. Hein. Là, il n'y aura plus des mois à attendre. Hein. On se retrouve vite pour la suite de notre aventure. Et bientôt la fin. Allez, bye tout le monde.